On dit qu'il fait beau, c'est l'été, donc on va manger une salade. Salade César, salade feta. Une tartiflette en juillet. Moi je vais manger un bon plat avec l'été. Vous avez du champagne, avec du caviar pourquoi pas. Un bon steak frites et un petit verre de vin. Un cheeseburger, bien que c'est pas super français, une salade. Non, je rigole. Ça serait évidemment pas healthy, ça serait une bonne pizza avec un pack de bière. Le grand classique, le pizza-bière. Sans aucun doute. C'est pizza bière. Pizza, coca, glace. Bien pizza entre amis. Ben voilà, bon match et au moins on est bien. Je supporte l'équipe et je regarde ça avec mon fils, les 3-4 matchs de l'équipe de France. Voilà, c'est juste un élan français. Ben, la France. Quelle idée. Bien sûr. Pour qui? Oui, bien sûr, pour la France, derrière les Bleus, à 200%. Ouais. Il faut toujours penser positif pour attirer le positif. Donc j'y crois et on ira jusqu'au bout, on va gagner. On peut le faire, ouais. Allez, contre l'Espagne, comme ça, il y aura un peu de farniente. Bien entendu. Non, il y a une autre équipe que vous aimez, à part la France. Alors l'Espagne, l'Allemagne, Brésil, Uruguay. Pas la France, je suis pas français, francophone mais pas français. Normalement, je supporte le Brésil. La France pourrait arriver en finale et peut-être contre le Brésil. Il y a de très bonnes équipes cette année, mais je dirais un gros classique, le Brésil toujours, comme ça fait 20 ans, donc ce serait bien. Ça va être compliqué, mais je pense que ouais, on a des chances. Après, il faudra voir comment ça va se dérouler au début et les autres équipes aussi, parce qu'il y a des bonnes équipes qui sont favorites. Donc on va voir ce que ça va donner, au moins jusqu'en quart de finale. Je dirais France-Allemagne. Et allez les Bleus quand même.